se retrouve ici pour ce rendez-vous incontournable. Troisième session de Legends Cup. On est bien ou pas? Ah, on est soleil, plus de vent, tout va bien. Toutes les bonnes conditions sont réunies pour battre Frédéric Dehu ce matin. Chaque année, eh bien, on attend ça avec plaisir. Ben, c'est vrai que j'ai une revanche à prendre. La journée. Quoi aussi pour la journée? De la partie. C'est une blague. Écoutez, je penche un peu pour les footballeurs, mais bon. 3-0. C'est les footballeurs qui vont gagner, c'est évident. Nous. Rugbyman, ah, ben, hey, si on gagne pas, c'est la guerre. L'amitié. La journée. Le plaisir. Comme d'habitude, les footballeurs seront vainqueurs dans deux jours. À l'apéro, ben, ça va. Au mieux que j'assure, parce que comme je suis capitaine cette année, j'ai pas envie de me faire virer l'année prochaine. On ne prend pas parti. On aimerait bien qu'il y ait presque une égalité. Voilà. Et que ce soit l'écologie qui gagne. On parle de légende, il y a une légende qui dit que si les rugbymen gagnent, la Legend Cup s'arrêtera pour qu'il reste sur une victoire. Donc, tu joues très bien. Relâché. Ouais. La partie est agréable, il fait beau. Voilà, ça manque un peu de birdie, mais tu sais quoi? Le golfeur, on n'est jamais content. Jamais. Apparemment, ça part bien pour les footballeurs, parce qu'on est mené, après 5 parties, on est mené 7 à 2. On mène 7 à 2. On les laisse mener après un petit peu, parce qu'ils sont très très rapides au départ, mais il manque un peu de... Ouais. De longueur. De résistance. Je suis à 2-0. En fait, ouais, nous sommes à 2-0. Pour tout vous dire, il a acheté le match. Ouais, voilà. Ils trichent un peu les footballeurs. Ouais. Ils ont l'habitude de tomber dans les surfaces de réparation. Mais là, ils nous ont aidés à tomber. Voilà. Non, non, de la simulation à tir l'arigot, quoi. Je tombe. Mais ce sont de vrais sportifs. On est au 14, il est déjà mort. Les greens sont diaboliques. On a toujours du mal à s'y adapter. Mais on fait une très belle partie. On compte sur la défaillance. Je pense qu'ils sont arrivés à la fringale et.
très bon moment, toi. Moi, c'est génial aussi. Alors j'ai souffert, hein. C'était quoi? Fantastique. Fantastique. Eh ouais. Fantastique. Le parcours est excellent, l'organisation est au top. Que demander de plus? On a bien joué, enfin surtout... Surtout Fabien. Surtout Laurent. Pas terrible. Franchement, bah, il a perdu au 18. Avant toute chose, ça a été un match très agréable. Merci. Pas seulement parce qu'il faisait beau temps, mais aussi parce qu'on a très bien joué. Mais Michel Platini a joué un peu mieux que moi, je dis bien un petit peu. Moi, des bons et des très mauvais. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il a été excellent aussi. Je dis ça parce que c'est mon copain. 3 ans d'affilée que... Non, je te bats pas, je t'humilie. Faut accepter quand l'adversaire est plus fort. On peut rien dire quand on perd, on peut rien dire. Et je l'ai subi tout le temps. Mais j'ai pas réussi à le... Tu vois, toujours la tête. Tu sais, on est dans les arapèdes. Tu sais, ces petites belles s'accrochent au rocher dans la mer, tu sais. Tout le monde est heureux, tout le monde a le sourire. C'est fantastique. Hein? Même celui qui a perdu, mais on sait pas qui c'est. Ah, mais on sait pas. Tant pis, hein. Mais oui. L'idée, c'est pas de... Enfin... C'est de participer. Les joueurs, je pense, ont pris beaucoup de plaisir. Et nous aussi, parce qu'on a partagé des parties très agréables où l'enjeu était presque secondaire. Et de faire le caddie pour quelqu'un, ça m'a fait grand plaisir. Et Daniel, c'est un monsieur qui a quand même 81 ans, qui m'a suivi pendant 2 jours. J'espère qu'à son âge, je ferai pareil. Voilà. Et à Manville surtout, parce que c'est un lieu extraordinaire. C'est juste magnifique. On a de la chance. Tout était magnifique, le parcours, les partenaires, les caddies, l'organisation. Et puis voilà, on a pris énormément de plaisir. Ouais, tout est au top.